Imaginez une seule seconde. Faire choisir une carte, la faire signer, la remettre dans le jeu dans l'étui, et que cette carte disparaisse du jeu pour se retrouver dans un portefeuille et dans une poche où personne n'est jamais allé, et sans empalmage. C'est de l'imaginaire au départ. Ben non, c'est ce que j'ai fait. Et ça s'appelle poche à poche.